toujours le premier en lice, monsieur Chouette. C'est agréable de voir ça. Un fidèle. C'est comme ça qu'on les aime. Voilà. C'est mieux. Salut tout le monde! Ah. Salut, salut! Oui, bon dernier quiz, PM. Salut tout le monde, les Power Girls, les Timozy. Salut. Oui, merci de saluer les Randolph qui sont tous derrière moi et autour, surtout autour de moi. Pas ici. Une belle équipe. Yes. Salut tout le monde. Merci au bubblegum, lâchez pas. Alors, arrête ça mon nom, voilà. Alors, mesdames et messieurs, il est 15h30 et je suis extrêmement heureux aujourd'hui, non pas parce que c'est le dernier quiz, parce que je vous rencontre encore une fois et en espérant que vous soyez là ce soir avec moi pour un quiz adulte qui, eux, vont perdurer jusqu'à, nous ne savons point encore, t'encore. Bienvenue au quiz Randolph live dans mon sous-sol, famille, mardi 26 mai. On est content que vous soyez là, assis à table ou effoiré sur votre sofa. Les chips, la bière, le jus, le vin ou bedon, l'avocat. Il y a juste une chose qui serait cool que vous fassiez pas. Écrivez pas sur le fil, mettez ça sur un papier. Écrivez pas sur le fil, non, 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 mettez ça sur un papier. Écrivez pas sur le fil, non, ça va bien aller. Alors pour ceux qui l'avaient pas entendu, c'est un de mes chums... musicien, un grand musicien qui a décidé de me faire ça, qui fait les quiz, et puis m'a décidé de me faire un petit câlin comme ça, un petit câlin d'amour en m'envoyant une toune qu'il a composée pour nos quiz. Alors, je suis très heureux de celle-là. Ça va remplacer, évidemment, notre thème d'habitude, alors en espérant que vous l'aimez beaucoup. Oui, je sais, je reçois plein de commentaires, plein de belles choses comme quoi vous allez vous ennuyer. Mais sachez que le Randolph s'en vient avec des quiz scolaires. Fait que restez à l'affût. Ça va être début juin que ça va arriver. Alors, toute l'équipe du Randolph, la conception, la finalisation de la révision, la modération, nous vous remercions. Mais vraiment sincèrement pour votre soutien, votre bonne humeur, votre participation assidue et votre complicité avec nous pendant 2 mois.
quand même 2 mois qu'on a fait ça ensemble. Sachez qu'absolument tous les quiz déjà faits sont disponibles sur notre page Facebook. Alors, pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, sachez que tous ces quiz-là, vous pouvez remonter jusqu'au mois de mars. Ils sont tous là. Alors, vous pouvez toutes les refaire si ça vous tente. Évidemment, ils seront là ad vitam aeternam. On ne sait pas trop quand est-ce qu'on va les enlever, mais c'est pas pour tout de suite. Alors, disponible sur notre page Facebook dans la section vidéo et notre page YouTube Randolph Jeux et Divertissement. On se retrouve très bientôt en juin pour les quiz scolaires. Alors d'ailleurs, on a besoin de l'aide des professeurs parmi vous. Si vous en connaissez, faites-leur le message pour répondre aux questionnaires qui passent en commentaire là. Drette là dans 5, 4, 3, 2, 1. Boum! Voilà le questionnaire en commentaire pour nous donner des idées de questions à poser pour les quiz scolaires, pour les différents domaines et les différents niveaux scolaires. Alors, donnez-nous un coup de main, si le cœur vous en dit. On va être très heureux de ça, de partager ça avec vous. N'oubliez pas, mardi soir, ce soir, il va toujours avoir le quiz adulte. Alors, les quiz adultes, ça sera tous les mardis, seulement les mardis. Alors, il n'y en aura plus les jeudis, c'est comme ça. L'été s'en vient, il fait de plus en plus beau. D'ailleurs, aujourd'hui, il fait extrêmement beau. Alors, c'est le dernier quiz famille. Ce soir, c'est les quiz adultes qui continuent, mais seulement les mardis. Tous les vendredis, par contre, à 19h30, le vin mystère reste là avec Jessica Arnois pour vous animer ça. Tous les samedis à 11h, samedi du jouet avec Raphaël Lacaille et la gang des Tu Gagnes. Ils sont là pour vous donner, évidemment, des informations sur les jeux, jouer avec vous, vous donner des suggestions, des conseils. Vous pouvez même nous écrire. Pour avoir des conseils de jeu, Raphaël va vous répondre les samedis matin à 11h. Et ce dimanche 31 mai, la soirée quiz 19h animée par moi-même sur la page Facebook des Jardins Gamelin pour célébrer le lancement de l'été sur de la culture générale et des questions relatives au Jardin Gamelin. Alors faites vos devoirs, allez voir ce qu'on dit sur les Jardins Gamelin parce que dimanche soir, 19h, je serai là pour animer un autre quiz en partenariat avec les Jardins Gamelin. T-shirt, plus que 24 heures pour commander notre T-shirt. Écris pas sur le fil avec ma belle face et une tuque. Quiz Randolph, il vous reste 24 heures pour le commander. Alors, on vous rappelle que pour tous les T-shirts achetés à 19,99$, on verse 5$ à l'association caritative Opération Enfant Soleil pour aider dans cette période qui est évidemment tout chamboulé. Faites-vous plaisir pour la bonne cause. Les T-shirts sont disponibles jusqu'à demain seulement dans notre boutique en ligne randolph.ca. Je pense à ça, là. J'en ai même pas encore, moi. Qu'est-ce qui se passe? La gang du Randolph, il me faut. Hey, Pascal et tout, ça nous prend nos T-shirts pour ce soir, si possible. On verra. Quiz live VIP, puis une dernière façon, d'avoir des quiz famille à la maison, les quiz live VIP. Alors, pour souligner une fête, un événement spécial ou envie de s'amuser en famille, nous vous organisons un quiz live privé sur la plateforme de votre choix. Toutes les informations sont sur le randolph.ca. N'oubliez pas aussi les combos ludiques et les boîtes ludiques qui sont toujours en fonction. Alors, le quiz Randolph, 4 grandes rondes. Une ronde visuelle, une ronde de jeu, une ronde scolaire et une ronde auditive. Alors aujourd'hui, c'est toujours comme d'habitude. Comment ça se passe? Vous prenez un papier et un crayon et vous écrivez ça dessus. Ne jamais écrire les réponses sur le fil. Attention, je crois que c'est parti. Ah, il y aura un jeu à gagner pendant le quiz. Ça va être le dernier jeu, évidemment, à gagner, qui était Monster Rush. Alors, on va vous dire ça. Qui c'est qui a gagné tantôt? Alors, c'est parti pour la ronde visuelle à vos papiers et vos crayons, gang. Et je vous montre ça. Boum! En 1. Pour un point. Livre. Quel est le titre de cette série de livres? En 1, pour un point, quel est le titre de cette série de livres? En 2, pour un point, science, quel est cet animal?
Quel est cet animal? En 3. Jeux. Pour un point, quel est le titre de cette série de jeux dans lequel les personnages de Nintendo s'affrontent les uns contre les autres? Question numéro 3. Jeux. Quel est le titre de cette série de jeux dans lequel les personnages de Nintendo s'affrontent les uns contre les autres? Pour un point. En 4. Sport. Quel est ce sport? J'aime tellement ça, je vois ça là. Quel est ce sport? À 4, c'est vraiment le fun. Et en 5, film. Quel objet a endormi la belle au bois dormant? Quel objet a endormi la belle au bois dormant? Et on y retourne. Question numéro 1. Pour un point, quel est le titre de cette série de livres? Question numéro 2. Science. Quel est cet animal? Numéro 3. Jeux. Quel est le titre de cette série de jeux dans lequel les personnages de Nintendo s'affrontent les uns contre les autres? Question numéro 3. Sport. Quel est ce sport? Et question numéro 5. Pour un point, film. Quel objet a endormi la belle au bois dormant? Et voilà, un petit 10 secondes, tout le monde. Livre, science, jeu, sport et film. Voilà, terminados, la ronde visuelos. Voilà. C'est pas trop difficile. Alors maintenant, je donne réponse. Vous êtes prêts? C'est parti. Réponse numéro 1. Eh bien, c'était le journal d'Aurélie Laflamme. Pour un point, le journal d'Aurélie Laflamme. Non, pas eu le temps d'aller chercher des citrons. Journal d'Aurélie Laflamme, voyons. Réponse numéro 2, c'est un fourmilier ou un tamanoir. Un fourmilier ou un tamanoir. Pour un point. Réponse numéro 3, c'était Super Smash Bros. Ou Smash. Super Smash Bros. Ou Smash. Pour un point. Et en 4, eh bien, oui, c'était le badminton. Le badminton pour un point. Et en 5, qu'est-ce qui a endormi la belle au bois dormant? Eh bien, c'est un fuseau, quenouille ou rouet. C'est accepté. Fuseau, quenouille ou rouet. C'est accepté. Parce que ça s'appelle soit un fuseau ou une quenouille, mais c'est sur un rouet. Fait qu'elle s'est piquée là-dessus. On n'utilise plus ça aujourd'hui. Par contre, c'est un très bel outil pour rouler la laine, si je ne m'abuse, quelque chose du genre. Combien vous avez sur 5, les amis? Combien vous avez sur 5? 5, 5, 4, 5, 5, 5, 4, 5. Ça roule, ça roule. Les sardines brûlées. Les petits coudes. Aïe, mon gars! Pour les explorateurs, 4 sur 5. 4 pour les lilou-licornes. Les koalas, 4 sur 5. Bravissimo. Filez la laine, voilà.
filer la laine, et non rouler la laine, filer la laine. Donc, il la mettait en boule pour pouvoir faire des choses, n'est-ce pas? J'ai jamais utilisé de rouet. J'en ai déjà vu un chez ma grand-mère, je crois. Puis, il y avait une pédale pour faire rouler le fameux rouet, puis il y avait une affaire pour... Anyway. Dac! Alors, les fêtes aujourd'hui, oui, j'ai des fêtes d'après-midi. C'est pas beau, ça? Des fêtes d'après-midi. Alors, 26 mai, évidemment, c'est des fêtes de soit la semaine passée ou qui s'en viennent ou qui sont maintenant ou pas loin. Alors, bonne fête! Célédane Pierre, Béatrice Plante, Laurie Chicoine, René Gigi Landry, Mia l'Allemand. Bonne fête, Célédane Pierre, Béatrice Plante, Laurie Chicoine, René Gigi Landry, Mia l'Allemand. Bonne fête, bonne fête à vous tous. Célédane Pierre, Béatrice Plante, Laurie Chicoine, René Gigi Landry, Mia l'Allemand. Bonne fête, la gang. Amusez-vous bien. C'est sûr que vous pouvez pas fêter avec vos amis et tout, mais sachez que ça va venir bientôt, puis on va faire un gros party de fête. Ça va être fou. Ça va être fou. Et on continue avec la ronde de jeu. La ronde de jeu des questions de connaissance générale sur divers sujets dont les mécaniques sont basées sur des jeux de société qui existent et qu'on a à la boutique. Alors, la pondération est toujours de 1 point par bonne réponse, 4 points pour cette ronde-ci. Donc, à la fin de la ronde, vous aurez peut-être, peut-être accumulé plus de points. Alors, en espérant, et je vous le souhaite. Question numéro 1, Scrabble. Écrivez sur votre papier les lettres suivantes. 5 lettres. E, J, O, T, comme dans Tintin, et U. Alors, la question Scrabble d'aujourd'hui pour un point, 5 lettres. Vous devez faire un mot avec les lettres suivantes. E, J, O, T, comme dans Tintin, et U. Question numéro 2. Card Line. Placez ces 4 dinosaures en ordre croissant de hauteur. Donc, du plus petit au plus grand. Donc, celui... Alors, 1. Tyrannosaure. 2. Brachiosaure ou brachiosaure. 3. Triceratops. Et 4. Vélociraptor. Alors, question numéro 2, Card Line. Placez les 4 dinosaures suivants en ordre croissant de grandeur. Alors, du plus petit au plus haut. Alors, 1. Tyrannosaure. 2. Brachiosaure. 3. Triceratops. Et 4. Vélociraptor. Ça va, ça? J'y reviendrai. Question numéro 3. Couleur. C'est un jeu qui s'appelle Couleur, qui sort très bientôt au Randolph. Vous allez vouloir avoir, c'est sûr, parce que c'est super cool. La réponse est nécessairement une ou des couleurs. La fourrure de Stitch dans Lilo et Stitch. De quelle couleur est la fourrure de Stitch dans Lilo et Stitch? Et question numéro 4, Linkto. Quand on dit Linkto, c'est là qu'il faut trouver un intrus. Quand on dit spécifique, c'est un autre jeu. Il faut trouver précisément quelque chose avec 3 informations. Là, c'est Linkto. Il y a 4 affaires et il y a 3 informations. Et il y a 3 informations qui vont avec 3 affaires. Puis la dernière affaire qui n'a pas d'information, c'est lui qu'on veut trouver. Alors, associer ces Pokémon à leur élément respectif, un des 4 Pokémon ne correspond à aucun des 3 éléments. C'est donc lui la réponse, ce que je vous expliquais pour un point. Alors, je vous nomme les 4
Pokémon. Ensuite, je vous donne les éléments et vous ferez vous-même les corrélations. Alors, 1. Bulbasaur ou Bulbizarre. Écrivez ça. Bulbasaur ou Bulbizarre. 2. Pikachu! Pikachu! 3. Squirtle ou Carapuce. C'est son nom français, probablement. Squirtle slash Carapuce. Et 4. Charmander ou Salamèche. Charmander ou Salamèche. Je renomme les Pokémon. Alors, 1. Bulbasaur ou Bulbizarre. 2. Pikachu! 3. Squirtle ou Carapace. Et 4. Charmander et Salamèche. Et là, je vous donne les 3 éléments qui vont avec 3 de ces Pokémon-là. Mais la réponse, ce qu'on veut avoir, c'est celui qui n'en a pas. D'accord? Alors, les éléments. On a eau. Il va avec lequel? Feu. Il va avec lequel? Et éclair, il va avec lequel? Je renomme les éléments. Eau, feu et éclair. Je repasse une fois les questions pour la ronde de jeu. Scrabble, les lettres sont 5 lettres pour un point. E, J, O, T, comme dans Tintin, U. Question numéro 2. Cardline. Placez ces 4 dinosaures en ordre croissant de grandeur. 1. Tyrannosaure. 2. Brachiosaure. 3. Triceratops. Et 4. Vélociraptor. 3. Couleur. La réponse est nécessairement une couleur. La fourrure de Stitch dans le Lilo et Stitch. Quatre, Linkto. Faites d'associer les Pokémon à leur élément. Oui. Associer les Pokémon à leur élément respectif. Oh, je sais pas, je connais pas les Pokémon, fait que. Faites ce que vous pensez qui est bon, mais trouvez les éléments respectifs du Pokémon. Alors, on a Bulbasaur, Bulbizarre, Pikachu, Squirtle, Carapuce et Charmander, Salamèche. Je pense que c'est les anglais-français, mais bon. Et les éléments, eau, feu et éclair. Je vous laisse un petit 2 minutes, même pas, pour réfléchir. C'est anglais-français, voilà. Mais on s'entend que Pikachu! Ça, c'est anglais et français. Ils n'ont pas trouvé l'équivalent. Alors, on y va pour les réponses. Parfait. Alors, le mot de 5 lettres à trouver, il y en a 2. On ne jouait et on ne joute. Jouet et joute. C'est de la même étymologie. Avec un jouet, on peut faire des joutes. Et quand on fait une joute, on peut utiliser un jouet. Ça dépend de quoi, à quoi qu'on joue. Mais le verbe jouer, plus beau verbe au monde. Joute ou jouet? Réponse numéro 2. Alors, on avait 4 vélociraptors, la réponse numéro 2. Ensuite, on avait le triceratops. Ensuite, on avait le tyrannosaure. Puis ensuite, on avait le brachiosaure. Alors, 4, 3, 1, 2, vous avez la bonne réponse. C'est donc bien cool! Il a dit, mon fiston participe au quiz avec moi, m'habillé en pyjama pâte de Stitch avec des figurines Pokémon. Bon, ben je pense que la réponse hein, de Stitch, c'est assez clair. C'est beau ça. Alors, réponse numéro 2, c'est 4, 3, 1, 2. Vélociraptor, c'est 1,25 m. Triceratops, 3 m. Tyrannosaure, 5 m. Et Brachiosaure, 12 m. Réponse numéro 3.
La fourrure de Stitch dans Lilo et Stitch, elle est bleue ou mauve. Ça dépend. Bleu ou mauve. Parce qu'il y a des gens qui voient peut-être le bleu en mauve puis le mauve en bleu. Fait que c'est bleu ou mauve. La fourrure de Stitch. Et réponse numéro 4, c'était l'intrus, c'était Balbazor ou Bulbizarre, c'est un Pokémon de terre. Alors, Pikachu va être l'éclair, Squirtle, ça va être l'eau, puis Charmander, ça va être Salamèche, ça va être feu. Alors voilà, c'est ça. Pikachu éclair, Squirtle, Carapuce, eau, et Charmander, Salamèche, feu. Alors, celui qu'on devait trouver, celui qui n'avait pas d'amis d'éléments, c'était le Balbazur ou le Balbizarre. Et bon boy, Bulbizarre, c'est un Pokémon de terre. Voilà pour vos 4 réponses. Combien vous avez de points sur 9 pour le moment? 8 sur 9, c'est parti. Les canicules, oui, bon ben, bienvenue. C'est votre journée. 7 sur 9. 4-4 pour les dragons orchidées. Vous avez manqué la première ronde, les 4-4. Quelle surprise, 4-4, ronde jeu. Mais c'est très bien. 8-9 pour les calinours, 9-9 pour les mémés. 8-9 avec papier. Ok, avec papier. Ben oui, avec papier. Mettez ça sur un papier. Come on, Dave. Réveille tes troupes, mon Dave. Réveille tes troupes, 5 sur 9. Alexis, Marie-Soleil, aidez papa un peu, là. Ils n'ont pas les réponses. C'est donc bien cool. Ma fille a laissé son livre d'Aurélie Lafemme pour faire le jeu. Vous êtes super à raccord aujourd'hui. Bah! C'est ma spécialité, les raccords. J'ai hâte d'en faire, des raccords, d'ailleurs. Tabarouette que je m'ennuie d'avoir dû faire mon métier, là. Malgré, je suis content de faire ça, là, mais être sur une scène, là, oh, que je m'ennuie. Mais bon, ça va venir. Faut pas se décourager. Je suis chanceux, je vous vois. J'ai des amis, j'ai 20 000 amis. Mais là, aujourd'hui, on est 228 clics. Mais ça, vous êtes 2-3 par famille. On n'est pas loin, peut-être 2, 3, 6, 7, on était 700-800 personnes qu'on a aujourd'hui. Donc, qu'on serait là, dans un gymnase, là. Je fais des quiz au gymnase ou dans une émission de télé, tiens. Je ferais bien une émission de télé de quiz, moi. J'aimerais bien ça. Les reines de la nature, bienvenue. Mais là. Alors, on y va. Présentation du jeu à gagner cette semaine, le mardi passé. La question était: quel nom porte l'ouverture par laquelle coule la lave d'un volcan ainsi que la dépression creusée par l'impact d'un météorite? Eh bien, la réponse était cratère. Et le jeu à gagner était Monster Rush. Et ceux qui gagnent Monster Rush, attention, je les ai vus passer tantôt, c'est les jonfs des îles de la Madeleine! Madelino! C'est quoi la toune, donc? Ah, j'ai entendu une couple de fois. Madelino, sur le bateau, en y allant. Et sachez que les Madelinos, les filles, c'est pas des Madelinottes. C'est Madelinoises. Madelino et Madelinoise. Alors, la gang des jonfs des îles de la Madeleine, félicitations, vous remportez Monster Rush. On vous envoie ça par avion très bientôt ou par bateau. Ah, c'est beau les îles. J'ai hâte d'y retourner. Bravo, gang. Bravo les gens des îles de la Madeleine. Alors, ronde scolaire. Il n'y a pas d'autre jeu à gagner vu que c'est le dernier quiz. Mais probablement que dans les quiz scolaires, il va y avoir un retour, évidemment, des questions bonus pour vous faire gagner des jeux. Assurément. Du moins, je l'espère. Beaucoup. La ronde scolaire, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'école qu'on n'est pas là pour apprendre. Inspiré du jeu, la classe de 5e. De retour en classe, on vous pose des questions qui peuvent varier de la première année jusqu'au secondaire. Chaque question vaut 1 point pour un total de 6 points. On brasse un dé. OK. C'est parti. Première année. Éthique et religion.
De quelle fête s'agit-il? Lors de cette fête chrétienne, on commémore la résurrection de Jésus-Christ et on décore des œufs pour souligner la renaissance de la nature. Première année éthique et religion, de quelle fête s'agit-il? N'oubliez pas d'inscrire vos réponses sur un papier, chez vous, devant votre écran, et ne jamais écrire les réponses sur le fil. Merci. De quelle fête s'agit-il? Lors de cette fête chrétienne, on commémore la résurrection de Jésus-Christ et on décore des œufs pour souligner la renaissance de la nature. Question numéro 2. Eh bien, je ne la pose pas, parce que deuxième année, aujourd'hui, le dé a décidé. Question numéro 3. Français, troisième année. Tous les mots suivants, donc question numéro 2, troisième année. Alors, tous les mots suivants appartiennent à la même famille de mots, sauf un. Lequel? Tous les mots suivants appartiennent à la même famille de mots, sauf un. Lequel? Vous êtes prêts? A. Pomme. B. Pommette. C. Pommier. Et D. Pompon. Tous les mots suivants appartiennent à la même famille de mots, sauf un. À laquelle? A. Pomme. B. Pommette. C. Pommier. Et D. Pompon. Question de quatrième année. Science et technologie. Vrai ou faux? Le soleil et les étoiles tournent autour de la Terre. Vrai ou faux? Le soleil et les étoiles tournent autour de la Terre. Cinquième année, histoire. Quel système de division des terres les Britanniques ont-ils instauré après la conquête et dont il reste encore des traces en Estrie? Cinquième année, histoire. Quel système de division des terres les Britanniques ont-ils instauré après la conquête et dont il reste encore des traces en Estrie? A. Le système impérial. B. Le système seigneurial anglais. C. Le système des cantons. Et D. Le système colonial. Je répète la question de cinquième année, histoire. Quel système de division des terres les Britanniques ont-ils instauré après la conquête et dont il reste encore des traces en Estrie? A. Le système impérial. B. Le système seigneurial anglais. C. Le système de canton. Et D. Le système colonial. Sixième année. Français. Dans la phrase suivante, quel mot est le noyau du groupe du nom? Dans la phrase suivante, quel mot est le noyau du groupe du nom? Voici la phrase. J'aime porter mon beau chandail rouge en tricot de laine. Dans la phrase suivante, quel mot est le noyau du groupe du nom? J'aime porter mon beau chandail rouge en tricot de laine. Et question secondaire, anglais. Comment dit-on « je m'inquiète » au présent continuous ou au present progressive? Secondaire, anglais. Comment dit-on « je m'inquiète » au present continuous ou au present progressive? Ne pas écrire les réponses sur le fil, s'il vous plaît. Seulement écrire les réponses sur un papier chez vous. Merci beaucoup. Ronde scolaire, je répète. Première année, éthique et religion, pour un point. De quelle fête s'agit-il? Lors de cette fête chrétienne, on commémore la résurrection de Jésus-Christ et on décore des œufs pour souligner la renaissance de la nature. Question numéro 2, saute. C'est le D qui a décidé. Question numéro 3e année, français.
Tous les mots suivants appartiennent à la même famille de mots, sauf un, lequel? A. Pomme. B. Pommette. C. Pommier. Et D. Pompon. Je me suis craqué le doigt. Quatrième année, sciences et technologies. Vrai ou faux? Le soleil et les étoiles tournent autour de la Terre. Vrai ou faux? Cinquième année, histoire. Quel système de division des terres les Britanniques ont-ils instauré après la conquête et dont il reste encore des traces en Estrie? A. Le système impérial. B. Le système seigneurial anglais. C. Le système des cantons. Et D. Le système colonial. Sixième année. Français. Dans la phrase suivante, quel mot est le noyau du groupe du nom? J'aime porter mon beau chandail rouge en tricot de laine. J'aime porter mon beau chandail rouge en tricot de laine. Quel est le noyau du groupe du nom? Et secondaire anglais, comment dit-on je m'inquiète au present continuous ou au present progressive? Ah, tiens donc des étoiles, Geneviève Morin. Merci beaucoup, Geneviève Morin, pour les étoiles. Et voilà. Les questions sont posées. Les réponses s'en viennent. Ah. C'est génial, ça. Martine Baudet, ton fils est en cinquième année. Il est un pro. Yes, sir. On y va. Et c'est parti pour les réponses. Première année. Eh bien, de quelle fête s'agit-il? C'était Pâques. C'était la fête de Pâques. Oh, Stéphanie Lachapelle, merci beaucoup pour les étoiles. Merci. C'était Pâques. Alors, P-A, accent circonflexe, Q-U-E-S. Oh, tabarouette, Marie-Soleil Richer. Baboum, merci. Colin, comment ça se fait qu'ils n'apparaissent pas en haut? Ils n'apparaissent pas. Je sais que je viens d'en savoir une trollée, mais ça n'apparaît pas en haut. Comme quoi, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas les choses. Josiane Landry, alors. Mais mon Dieu, vous êtes donc bien fin. Merci beaucoup. Alors, la question première année, c'était Pâques pour un point. Pâques. On tombait à la question troisième année. Eh bien, le mot qui n'avait pas d'affaire là, avec pomme, pommier, pommette, c'était pompon. Cathy Sigouin. Merci les filles. Merci beaucoup. Pompon pour un point. Quatrième année, eh bien, c'est faux. C'est faux. Le soleil et les étoiles ne tournent pas autour de la Terre. C'est tout à fait le contraire. Cathy Sigouin, merci. Merci, merci pour les étoiles. Ah, c'est pas des vraies étoiles. Je sais pas, c'est quoi. Moi, je vois des étoiles. Alors, faux. Quatrième année, c'était faux pour un point. Cinquième année, eh bien, c'est le système des cantons. On appelle ça encore aujourd'hui les cantons de l'Est. Les cantons de l'Est. C'était C, la réponse pour un point. Canton. Sixième année, eh bien, dans la phrase suivante, quel mot est le noyau du groupe de noms? J'aime porter mon beau chandail rouge en tricot de laine. Eh bien, voilà. Le noyau du groupe de noms, c'était chandail. Beau, rouge, tricot. Tout ça, c'est le groupe, mais lui, chandail. Es-tu bien dans ton coton, wet, oui? Quoi, oui, oui. Toi, quoi, t'es? Quoi? Quoi, t'es? Sixième, chandail. Et secondaire, comment dit-on, je m'inquiète au présent continuous ou au present progressive, c'était I am worrying. I am worrying. Ah, voilà. Voilà, ça, c'est des belles... Ah, ça, c'est des étoiles. Gino, Gino, scusate. Grazie, grazie mille, Gino. Grazie. Merci, merci, Gino. Les 200 étoiles, c'est gentil. Merci beaucoup. I am worrying pour un point. Je répète les réponses. Alors, un point pour Pâques, un point pour Pompon, un point pour Faux. Un point pour Système des cantons, un point pour Chandail et un point pour I am worrying. Combien vous avez sur 15, mes beaux amis? Ah. 13 sur 15. 13 sur 15 toujours. 12 sur 15, Timothy. Les fidèles en feu, 13 sur 15, oh yeah! 12 sur 15, 11 sur 15, ça va bien, c'est cool. Oui, madame, vous jouez, gang, vous jouez, on joue ensemble, c'est ça qui est trippant. 14 sur 15, puis là, je vais aller
m'écraser après ça. Au soleil. Le soleil. La 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 la. Les super Jamie. Maybe. 15 sur 15. Wow! Ah, 14 sur 15, les Pokémon légendaires. Certains, vous avez eu la réponse des Pokémon. C'est sûr, ça. Ronde parfaite pour les Rangers Galactiques. Les Macaroni JJ sont 13 sur 15. 14 sur 15 pour la famille Meeple. Ça va bien. Yes! Yes! Alors, on y va. Pour la ronde auditive. La ronde préférée de plusieurs. J'enlève ça. J'en vais ici. Voilà. Alors, ronde auditive. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est ça. Dans cette ronde, il y a 5 questions qui valent un point chacune pour un total de 5 points. Ajustez bien vos haut-parleurs. On va écouter les trames sonores. Et ne vous inquiétez pas si vous n'entendez pas bien. Je vais les remettre au moins 2 fois. D'accord? Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, émission. Comptine de la musique de quelle émission s'agit-il? Je la remets. Comptine, c'est pas comptine, c'est émission. De la musique de quelle émission s'agit-il? C'est mon erreur. De la musique de quelle émission s'agit-il? Question numéro 2. Humoriste, quel humoriste entend-on dans ces versions de chansons où les mots sont remplacés par des aliments? Attention, question numéro 2. Humoriste, quel humoriste entend-on dans ces versions de chansons où les mots sont remplacés par des aliments? Alors, humoriste, quel humoriste entend-on dans ces versions? Numéro 3. Paroles trouées. Les paroles vont couper au milieu de la chanson. Vous devez écrire les paroles manquantes. Attention à vos oreilles. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Loup y es-tu? Entends-tu? Entends-tu? Je mets ma chemise. Promenons-nous dans les... Qu'est-ce qui est? Et c'est reparti. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Loup y es-tu? Entends-tu? Entends-tu? Je mets ma chemise. Promenons-nous dans les bois. Vous avez de bonne humeur, le loup. 4.
Quel est le titre de cette chanson de Laurie? Un hit. Quel est le titre de cette chanson de Laurie? Quel est le titre de cette chanson de Laurie? Question numéro 5. Extrait de quel film de Disney très très célèbre provient cette musique? Une note dans la vie, moi. Il y a une note qui existe dans le monde, c'est celle-là. Celle-là me fait toujours pleurer. Celle-là. Ça. Désolé. C'est un très, très, très beau film. Alors, je l'ai remis une petite fois, puis je pense que ça va être beau. Émission. Numéro 2. Quel humoriste change les mots de cette chanson en fruits et légumes? Trois paroles trouées. C'est quoi les paroles qui manquent à cette chanson? Quel est le titre de cette chanson de Laurie? Et question numéro 5, de quel film de Disney très très célèbre provient cette musique? C'est la note qui m'atteint le cœur, direct.
une scène très dure aussi. Alors, on y va avec les réponses. Ah, bon, boy. mais mes enfants ont toujours honte de moi quand ils étaient petits que j'allais voir des films avec eux. C'est toujours moi qui pleurais en premier. Même les films de princesse Saint-Simonac de Bâtard. Quand toute la famille se retrouve à la fin, c'est ça qui me dit, ma fille me regardait, elle dit, papa. Ouais, c'est comme ça. Bon, les réponses. Allons-y. Oh my God. Ah. Alors, réponse numéro 1, c'était Naruto. Naruto pour un point. Naruto pour un point. Réponse numéro 2, c'était Arnaud Soli pour un point. C'était l'humoriste qu'on cherchait. Réponse numéro 3, eh bien, ce qui manquait dans la toune, c'était « Que fais-tu? » Il demande au loup « Qu'est-ce qu'il fait? » Il dit « Ben, je mets ma chemise. »« Que fais-tu? » Réponse numéro 4, le titre de la chanson, c'était « Je serai ». Et réponse numéro 5, c'était le roi lion. Lui-même, je pense, c'est quand il va voir son père qui s'est fait écraser par les Ganous. Avant que le méchant Scar vienne lui dire « Ah, qu'est-ce que t'as fait là? Va-t'en, viens plus jamais. » Ouais. Réponse numéro 1. Pour un point, Naruto. Pour un point, Arnaud Soli. Pour un point, que fais-tu? Pour un autre point, je serai. Et pour un autre point, le roi lion. Combien vous avez sur 20, mes beaux amis? 14 sur 20 pour les bacon de licorne. Bacon de licorne. Pas fort comme performance, mon Dave, cet après-midi, 11 sur 20, la chaleur, ouais. T'as encore ta piscine, mon Dave? Pense pas, hein? Les doubles amandes. Alors, mes amis, voilà, ça conclut le quiz famille. Je vais être encore ému, mais ne vous en faites pas. Je vais bien aller. L'impression de quitter les amis. Mais on va se revoir soit dans les pubs, soit le soir dans les quiz. On va trouver autre chose pour que je retrouve ma gang, c'est sûr, sûr, sûr. Parce que j'ai trop aimé ça, faire ça, avec vous autres et vos enfants. Je vais continuer avec ma douce de faire les quiz adultes. Mais sachez qu'il va y avoir d'autres affaires qui vont arriver. Alors, merci énormément. Toute la gang du Randolph vous remercie d'avoir participé à nos quiz. Sachez que ça nous a fait un bien énorme aussi de recevoir tous vos commentaires exceptionnellement beaux. J'en revenais pas à chaque fois. Je disais, mon Dieu, on fait vraiment du bien aux gens et c'est un de mes buts dans la vie. Faire du bien. Salut gang! Merci! On se revoit ce soir. Et là, je ne serai pas triste. Mais je ne suis pas triste, je suis ému, c'est tout. Ciao, ciao. Bye. Merci.